Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 21 et 22 du Faucon Millenium. Donc, dans ce numéro 21, voilà, on va continuer donc la déco du couloir. Donc, voici nos étapes, nos pièces. Eh bien, on a deux pièces, trois qu'on va laisser de côté. On va uniquement s'occuper de cette grappe. Donc là, on a vraiment le détail de nos grappes et de du positionnement. Notre étape que voici. Hop, avec bien sûr notre résultat final. Pour ce numéro 22, et ben tout simplement, hop, je cherche la page, voilà, détail de nos pièces, et bien sûr, ça va être encore, et ben la suite, donc l'autre côté de ce couloir. Donc, avec ces deux numéros, on aura fini la déco du couloir. Donc, les pièces, hop, celle-ci. Et ce sachet-là, il va falloir encore venir les mettre de côté. Voilà. Bon, eh ben écoutez, hein, vous savez quoi, on va passer directement au montage. Donc, voici nos pièces, éléments de la structure, donc le dessous, je pense. Hein. Donc, bien sûr, cette partie-là, on la met de côté. Encore un élément de la structure métallique, pareil, que l'on vient mettre de côté. Donc attention, hein, ne perdez rien. Et petit sachet avec des vis et des entretoises, pareil, qu'on vient mettre de côté. Donc hop, je vais récupérer mon sachet que j'ai ouvert un peu à l'arrache. Voilà, je remets tout ça là-dedans et on va mettre ça de côté. Comme ça, on ne perd rien. Notre grappe que voici. Alors, on vient la tenir dans ce sens-là. J'ai enlevé mes petites arches de façon à ce que ce soit plus facile. Alors, on va venir juste ici prendre la pièce numéro 1. Donc, la voici et elle vient juste ici. Donc, hop, comme ceci. Donc, bien sûr. Donc, ici, dans les petites fentes, on va venir mettre un peu de colle pour pouvoir fixer le tout. Voilà. Qui est fait. Alors ensuite, on va venir récupérer la pièce numéro 2. Pièce numéro 2, donc, qui est celle-ci. Et cette pièce numéro 2 va ici. Pareil, on colle le tout. Voilà. Cette fois-ci, je vais mettre de la colle sur la pièce par elle-même. Ce sera peut-être un peu mieux. Voilà, qui est fait. Ensuite, pièce numéro 3, donc ici, qui est, eh ben, tout simplement juste au-dessus. Voici, donc pareil, on va mettre un peu de colle sur la pièce par elle-même et on la met en place. Voilà. Alors ensuite, pièce numéro 4 qui est celle-ci et elle vient tout simplement à la suite juste ici. Donc voici qui est fait. Alors ensuite, on va passer à la pièce numéro 5. Pièce numéro 5 qui est celle-ci. Et cette pièce numéro 5 va juste ici. Donc voici qui est fait. Alors ensuite, la pièce numéro 6 qui est celle-ci. Juste
là. Donc l'arrière, on peut remarquer que on a nos deux barres ici qui sont légèrement décentrées et en fait il faut les placer les barres vers le haut de façon à ce que la pièce vienne bien épouser celle du dessous. Voilà, allez, on va mettre un petit point de colle. Donc voici qui est fait. Ensuite, on va venir prendre notre pièce 7. Voilà, et on va venir la coller juste ici. Voici qui est fait. Alors ensuite, on va passer à la dernière pièce qui est celle-ci. Et elle va venir juste ici. Donc voici qui est fait. Allez, on va mettre ça. Eh ben, à la poubelle puisque nous avons plus rien dessus et on va passer plus ou moins au numéro 22. Donc pièce de la structure métallique du numéro 22, je les laisse dans le sachet. Et puis nous avons notre grappe du numéro 22 qui est quand même assez différente. Allez, donc la pièce 1 est ici. Bien sûr, quand on tient notre grappe comme ceci. Et donc, cette pièce 1 va venir tout simplement ici. Voilà. Ensuite, on va prendre notre pièce 2 qui est juste au-dessus et qui, elle, va juste à côté. Donc, hop, comme ceci. Ensuite, on va passer à la pièce numéro 3 qui est juste à côté. Et qui va venir se positionner ici. Ensuite, on va venir récupérer notre pièce numéro 4 qui va venir juste ici. Voici qui est fait. Ensuite, on va passer à la pièce numéro 5. Pièce numéro 5 qui est juste ici. Notre pièce numéro 5 va... Alors, je suis un peu perdu, mais il me semble qu'elle va ici. Voilà. Donc, juste ici. Ensuite, on va passer à la pièce numéro 6, qui est celle-ci, et qui va venir, bien sûr, juste au-dessus. Comme ceci. Alors ensuite, et ben tout simplement, on va venir récupérer notre pièce numéro 7 et cette pièce numéro 7 va venir juste au-dessus ici. Voici qui est fait et on va venir récupérer notre pièce numéro 8 qui est celle-ci et elle va venir juste ici. Voici qui est fait. Donc ici sur notre grappe, on a encore 4 pièces à mon avis qui vont venir s'installer un petit peu plus tard. Donc pareil, il faut venir les mettre de côté et puis on a notre couloir donc qui prend forme. Ouais, vraiment vraiment sympa. Bon, c'est vrai que chaque numéro on a quand même un petit peu de boulot même si on n'a pas beaucoup de pièces, mais ça prend un certain temps. Voilà, fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao !